C'est JKB de retour dans Tilted Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 54 de la série Saint-Bernard. Et l'épisode précédent, on a enfin commencé à travailler sur la refonte totale du réseau de transports en commun de cette ville, puisqu'on a atteint 130 000 habitants, on a bien préparé les services de la ville pour faire face à ces 130 000 habitants. Mais ce qui avait été négligé jusqu'ici, c'était les transports en commun, vu que la dernière fois que les transports en commun avaient été travaillés, c'était aux alentours de 80 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça devenait très très insuffisant. Et nous voici donc à Saint-Bernard, 130 000 habitants, sous la pluie, à suivre un courageux cycliste qui roule le long de l'autoroute. Et donc, à l'épisode précédent, avant-hier, nous avons commencé par faire, au centre de la ville, juste à côté de la gare centrale, nous avons fait ceci. Nous avons fait un énorme échange pour 6 lignes de métro qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stations de métro qui sont là pour accueillir chacune une ligne différente. Donc on va être avec 6 lignes de métro qui seront le réseau principal de la ville, en plus du réseau ferroviaire qui lui aussi transporte pas mal de monde. Et ensuite, à partir de ces signes de métro, on va avoir un réseau secondaire qui sera fait de bus et de tram pour le transport plus local. On a, sur ces 6 lignes, on a déjà fait la première ligne, celle dont on voit ici des passagers qui sortent. Ça, c'est la ligne aéroport qui pour l'instant a exactement 2 arrêts vu qu'il y a cet arrêt ici, la station à la gare centrale. Et à une belle distance de là, le deuxième arrêt qui est l'aéroport de Saint-Bernard Régional, où on a ici une station de métro où peuvent aller les voyageurs qui soit viennent de l'aéroport, soit vont à l'aéroport, comme c'est le cas ici. On a des voyageurs dans les deux sens qui utilise le métro comme jonction directe. Avant d'avoir le métro, l'approche qu'il prenait le plus, c'était de prendre ce bus. Ce bus ici, qui les amène le long de la route ici, jusqu'à la gare de Berge-Belmont. Et à partir de la gare de Berge-Belmont, ils pouvaient prendre le train. Un train qui les amène jusqu'à la gare centrale. C'était déjà pas mal, mais maintenant c'est encore mieux, c'est nettement plus direct, c'est nettement plus rapide. On a fait ça, on a admiré le premier trajet inaugural, et puis au passage, comme on avait un petit souci d'inondation par ici, on a un tout petit peu retravaillé la côte ici, pour éviter d'avoir de l'eau qui rentre dans cette rue. C'est le genre de petit travail de maintenance, de légères corrections qu'il faut faire de temps en temps, mais bon, on y est et je vois qu'on n'y est pas encore tout à fait. On n'y est pas encore tout à fait, il faudrait peut-être remonter encore un petit peu plus. Ce que je vais essayer de faire ici. Hop, hop. Essayons d'allonger par là. Évidemment, ça me remonte en même temps mon quai de pêche. Et je n'ai pas vraiment de certitude que ce sera suffisant, surtout qu'ici, on est partant de pluie, le niveau monte assez haut, assez vite. Je pense que ça sera pas assez quand même. N'importe, les dégâts sont limités, on va dire. Ça c'est suffisamment bon.
Je disais donc qu'on a une ligne aéroport, mais qui pour l'instant ne se connecte qu'à un seul aéroport. Une aéroport qui a quand même transporté 47 passagers depuis qu'elle existe. Ici, on va avoir. Ça faisait quelques épisodes que je l'annonçais, que ici on aurait un aéroport international parce que le terrain s'y prête vraiment bien et qu'on aurait une connexion directe sur l'autoroute, ce qui serait très pratique aussi. Et ben, on va faire ça aujourd'hui. On va le faire, au lieu de juste en parler, on va construire Saint-Bernard International. Avant toute chose, parce que j'ai pas planifié au-delà de simplement décider que j'allais faire un aéroport ici. Donc, avant toute chose, regardez le terrain est relativement plat déjà de base. Et en aéroport international, c'est relativement grand. Ce qui fait que si on veut l'installer, est-ce que je peux le tourner comme ça? Là, je suis hors des limites de la ville. Si je le fais comme ça, il ne se plaint pas du terrain. Je pense qu'on va le disposer comme ceci. Hop, aéroport placé, et on va aligner un peu le terrain. On va l'assouplir un peu, faire quelque chose de plus naturel aux alentours directs de l'aéroport. Ensuite on va faire un bon aménagement de tout ça. Peut-être que j'aille chercher de la terre ailleurs d'ailleurs. Ici ça va. Ici on va récupérer de la terre en creusant un peu. Peut-être même creuser un petit peu plus. Donc comme ça. Parce qu'on va avoir une boucle de route ici. Là. Alors, ici, même chose, lissons le terrain. La piste ici est un peu plus élevée. De ce côté-ci. Allons-y. Et nous voici avec quelque chose de plutôt correct. Ouais, de plutôt correct, mais presque. Parce que le terrain n'est pas tout à fait plat. Alors, on a beaucoup d'argent en banque. Est-ce que je peux déplacer momentanément ça? J'ai pas la place pour le déplacer, on va supprimer momentanément ça. Oui. Et puis on va aplatir le terrain d'avance. Donc on va prendre, disons, ce niveau. On va étaler tout ça. Quelque chose de bien grand, une belle plaine bien vaste, dans laquelle on va poser notre aéroport. J'ai pas envie de me retrouver avec des pistes inclinées ou avec des pistes qui sont à un autre niveau que le reste du tarmac. Comme on a beaucoup d'argent en banque, on peut se permettre des gros travaux d'aménagement. Allons-y franchement. Et maintenant que c'est tout plat, on va reprendre vaguement la même orientation que ce qu'on avait avant. J'ai pas agrandi assez. Ouais. J'ai
pas aplati assez. Hop, hop. Voilà, j'espère qu'avec ça, ça sera suffisant. Ok. Il est d'accord. Est-ce que je peux l'incliner un petit peu par là? C'est comme ça. Hop. Et là, on se retrouve avec quelque chose de bien plat. Ok. Voilà qui est très bien. On a une route qui passe devant. On va compléter une espèce de boucle à cette route et la relier à l'autoroute. Disons comme ça. Ça. Ok. Voilà qui me semble pas mal. Et on va pouvoir relier ceci directement mais avec une courbe. Voilà, comme ça on va séparer les flux. Ce sera pas mal. Et on va forcer le sens de circulation là-dessus. Ok. Il faut amener de la tuyauterie et tout ça, on en a à proximité. Couvrir tout le terrain. Bon. Juste couvrir l'aéroport lui-même. Et les environs immédiats parce que je vais construire quelques bâtiments autour aussi. Voilà. Amener de l'électricité dans tout ça. Avec une ligne à haute tension qui peut faire une jonction directe jusqu'ici. On verra pour faire plus beau quand on sera un peu plus proche. Alors, le courant arrive. Parfait. Et ici, on remarque que j'ai une station de métro. Et on a un tunnel de métro qui arrive ici. C'est exactement ce qu'on voulait. On va venir jusque là. On va faire un virage. Jusque là. Peut-être pas à ce point. Ici on va continuer en ligne droite un petit peu. Et puis on va virer jusqu'à la station elle-même. Voilà. Et maintenant qu'on est physiquement connecté, on peut relier ça
Alors, prendre ici. Et aller jusque là. Hop. S'assurer que ici on a bien un arrêt dans les deux sens. Voilà. Et maintenant notre ligne aéroport couvre les deux aéroports. Notre bel aéroport international de Saint-Bernard. Je demande à quel moment on va avoir notre premier vol. En tout cas, je voulais qu'il soit un petit peu à l'écart comme ça. Attendons le premier vol. Attendons le premier vol, mais peut-être en accélérant un peu le temps qu'il arrive. Ça, c'est Saint-Bernard International. Saint-Bernard International qui d'ailleurs veut aussi avoir son petit quartier. Comme ça, quand on va ajouter des bâtiments, on va pouvoir mettre une interdiction de construction en hauteur. Saint-Bernard International. Pour l'instant, zéro passager. Pour l'instant, personne dans les rues. Pas encore de trafic qui vient par ici. Et alors, du côté régional, ce qu'on avait comme équipement, on a mis quelques dépôts d'hélicoptères, les hélicoptères de police, hélicoptères médicaux et hélicoptères de pompiers. Je pense qu'on pourrait faire le même genre de choses aussi du côté international. Et peut-être un petit peu à l'écart par ici. Disons. Disons qu'on peut avoir une rue qui partirait. Ah, qu'est-ce que ça, c'est l'entretien de voirie, ça. Petit. Ouais, ça c'est l'entretien de voirie. Pas des voyageurs. On n'a pas encore de. On n'a pas encore de voyageurs qui arrivent jusqu'ici. Ça viendra. Donc pour faire quelques dépôts d'hélicoptères, je disais on peut partir, disons. Quelque part par là, je vais mettre en pause vu que ça va détruire la ligne électrique. On va faire passer ici, comme ça. On peut sortir de pause. Et plutôt, on va même repartir déjà un peu en courbe par ici. Et demi. Comme ça, ça serait pas mal. Oh. On va faire ça. Ah, mais là j'ai du relief. Ouais, j'ai du relief de ce côté-ci. Bon, je vais peut-être pas faire ça de ce côté-ci. Je vais le faire de l'autre côté. Ceci.
Non, ceci. Le terrain est relativement plat. On a quoi ici? Ah, c'est les poubelles. Alors ici, on va mettre des hélicoptères de pompiers. Ça rentre pile poil. Ouais, ça rentre pile poil. Ça, c'est impeccable. Si je pars par ici, est-ce que je vais pouvoir mettre les hélicoptères de police? Je vais mettre de ce côté ici. Et un dépôt d'hélicoptères médicaux. C'est bien ça, c'est bien ça. Je vais mettre ici. On va allonger un tout petit peu la route. Voilà, pour que ça corresponde aux différents bâtiments. Je suis bien couvert au niveau tuyauterie, presque. Ah, premier avion qui arrive. Premier avion qui arrive, prenons la vue des transports en commun pour voir ce qu'en vont faire les gens. Un avion avec à bord 83 passagers. Oui, ça c'est pas vraiment à l'échelle. Et on devrait voir apparaître des voyageurs à la sortie du terminal, ici devant, et dans la station de métro. Plus exactement quel est le délai qu'on nous met entre l'arrivée d'un avion et la sortie des passagers. Voilà, on a des gens qui sortent du... Ah, voilà, là ils arrivent dans la station de métro. Et ils vont embarquer dans le métro. Et je ne vois personne dehors. Un peu comme si tout le monde avait décidé de prendre le métro. Effectivement, on dirait que tout le monde a décidé de prendre le métro. Ah non! Là, j'ai quand même quelques passagers qui sont dehors. Certains portent en voiture. Et je suppose que les autres attendent un taxi. Et pendant ce temps, on a donc notre... premier métro avec des passagers de Saint-Bernard International. Alors, où est-il? J'ai pris l'avance, je suis devant lui. Où est-il? Il est là. Avec théoriquement zéro passager dedans. Ok. Ça, c'est un métro qui est parti juste avant que les passagers embarque. Donc ça, c'est les passagers de notre vol. Qui maintenant embarquent tous dans le métro. On n'a pas encore eu d'autres vols entre temps. Septante 9 passagers sur 83 qui ont choisi de prendre le métro. C'est assez bien un succès. Accélérons un peu. Le
3 a cet énorme avantage par rapport aux autres moyens de locomotion, c'est que les temps de trajet sont complètement prévisibles. On n'est pas du tout affecté par la météo, on n'est pas du tout affecté par le trafic routier autour, l'encombrement des routes, rien du tout. C'est d'office exactement combien de temps on peut prendre pour atteindre cette destination. Et c'est une belle distance quand même qui est parcourue. Là, on approche de la gare centrale. Et arrivé à la gare centrale, nous devrions voir nos voyageurs sortir maintenant. En route vers le reste de la ville. Comme les autres lignes ne sont pas encore faites, cet échange n'est pas encore très très fréquenté. Mais je sens venir d'avance que quand ça sera fait, on va avoir une foule pas possible sur ces passages aériens. On a déjà pas mal de monde qui utilise déjà ces passages aériens comme raccourci. Parce que bah, c'est plus rapide finalement de passer par le passage ici que d'attendre de pouvoir traverser la rue ou ce genre de choses. On a toujours nos passages piétons ici qui permettent de relier directement le quai de la gare. Vous voyez, directement en descendant du train, hop, on peut tout de suite sortir. Il n'y a pas besoin d'attendre, enfin il n'y a pas besoin de sortir de la gare par l'avant puis la contourner en entier. Ça aussi c'est quelque chose de tout à fait appréciable. Bien, l'aéroport international est construit, on va l'équiper un peu, on va l'aménager un petit peu. Ici par exemple j'ai un peu retravaillé le terrain pour accueillir correctement nos quelques nouvelles constructions par ici. Tant meilleur. Ça va être un petit peu délicat, donc je pense qu'on va construire d'autres choses autour et on fera de toute façon un petit peu de décoration aussi. Et avec les 3 dépôts d'hélicoptères, ça nous fait de l'activité aérienne en plus dans le même endroit. Ce qui est pas plus mal. Ok, ici j'ai une petite bizarrerie de terrain. Lisse-moi ça. Ok, ceci, est-ce qu'on peut le retravailler un peu? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça chope tant que ça? On va essayer d'attraper ce niveau-là. On va grandir un petit peu par ici. Hop hop hop. Hop 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 hop. Creuser un peu par là. On va avoir la route ici qui surplombe. Voilà qui me semble bien mieux déjà. Voilà, ouais, ça choque moins quand c'est comme ça. Quand même, creuser un peu par là. C'est peut-être un peu trop.
Ok, il y a les taxis qui arrivent avec des passagers pour ici. Donc le sens de circulation est obligatoire, c'est une espèce de grand rond-point. Ce qui permettra d'avoir un gros trafic à un moment. On sait jamais que l'attractivité de la ville deviendrait formidable à un moment. Ce genre de choses est vite arrivé. Bien. Nos taxis embarquent nos passagers. J'ai pas encore vu d'autres avions. On va faire un deuxième parcours à l'intérieur. Ici, parce que ici j'aimerais bien mettre des bâtiments et ça serait bien que ce soit possible de circuler sans de ces bâtiments. Sans devoir forcément passer par le dépose-minute juste devant l'aéroport lui-même. Hop. Voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Est-ce que je peux connecter ça directement? Non. Je ne peux rien connecter à cette route. Là-dedans, on va mettre un espace vert. Alors, on va faire ça. Ok. Ça me semble être un bon début pour les routes. Ah, voilà un nouvel avion qui arrive. Et alors, au niveau piéton, on a ce chemin qui arrive là. Ensuite, les piétons peuvent marcher le long du rond-point. Finalement, accéder à tout ça assez vite. Mais alors, ce qu'on pourrait faire, ça serait avoir un chemin cycliste. Enfin, piéton et cycliste qui passerait, disons, ici. On va retirer ces guides-là. Et d'avoir, hop, ce genre de choses. Ce genre de choses. Alors là, je peux peut-être les faire passer en dessous de cette route. Voilà. Là, ça va descendre. Jusque là. Traverser de façon un peu symétrique. Et genre 4 unités là, on remonte. Voilà qui me semble correct, et puis on va se connecter à ceci. Se connecter à ceci en faisant. En partant de ce nœud, on va faire. Petite courbe parce qu'on a un pilier à contourner ici. Puis on va se relier ça, comme ça.
alors cette courbe-ci n'a plus besoin d'être aussi courbe. On va pouvoir courir beaucoup plus près du... Comme ça, beaucoup plus près de l'aéroport. Ah non. Plutôt. Ah non. Comme ceci, beaucoup plus près du dépôt d'hélicoptère. Donc maintenant on a un accès piéton plus pratique vers en tout cas ces dépôts là. Ce sera utile pour les gens qui y travaillent. Ça, ce n'est pas l'avion qui vient d'atterrir. On a eu du monde qui est parti. Alors dans celui... J'en ai vu un partir. Celui-là, zéro passager. Ah, les voilà qui arrivent. Les voilà qui arrivent et qui se mettent à Kiev. C'est assez rigolo parce qu'il y en a qui, du contrôle à l'aéroport jusqu'à la station métro, choisissent de faire le trajet en vélo. J'essaie d'imaginer la parfaite enflure qui sort son petit vélo pliable dans le hall de l'aéroport et se met à slalomer entre les valises. Ça doit être vraiment, vraiment très agréable, très civique. Alors, il y en a qui sont restés à quai. Est-ce que c'est parce qu'ils venaient d'arriver ou est-ce que c'est parce que c'est plein? Non. 80 passagers, ce métro n'est pas plein. Mais il est quand même plein à moitié. Ok. Je disais donc, ça va être un espace vert. On va mettre des allées dans cet espace vert. Colpa gris, j'ai envie d'être... J'ai envie d'avoir une ligne droite ici. Trop près. Ah! Ah! La malédiction de la symétrie. On va le faire au visuel. Et j'ai quand même la malédiction de la symétrie. Ok. Donc, on va le faire à moitié en partant d'ici. Comme ici, il accepte d'être symétrique. On va venir jusque là. Ici, on va faire deux courbes. Par là. Je ne sais plus à quelle distance j'étais parti. Ça, c'est pas symétrique. Ça, ça l'est à peu près. C'est pas ça que j'avais fait. Je vais compter mes unités. Par angle droit. 5 unités. Et puis je descends ici. Je pars angle droit. 5 unités. Et je descends ici. Voilà qui est déjà bien mieux. On a ça. On va faire une courbe ici, comme ça. C'est parti à peu près de là. On va faire une courbe de là. On va faire une courbe ici, ça. Voilà qui est pas mal. Ici, couper ici, se relier là, et aller jusque là. Ok, voilà qui est pas mal du tout. Tout ceci va être aménagé en espace vert juste devant l'aéroport. Ça sera agréable. Et alors, par ici, on va faire aussi quelques allées. Disons là. Ensuite, on va en avoir ici. Ici j'ai un espace qui ne peut pas être construit, autant en mettre ça à profit. Et
pas parfaitement symétrique, mais c'est suffisamment symétrique. Partir ici comme ça. Partir ici comme ça. Donc ça permet de venir ici, traverser, on vient là, on traverse aussi. Si on peut traverser directement là. Soit ils traversent directement là, soit ils vont aller jusqu'ici. Ce qui fait que je me demande... que je vais tricher. Je vais tricher avec différents types de routes. Certains segments vont être à sens unique. Ceci va être à sens unique pour forcer la création d'un passage pour piéton ici. Et ceci va être à sens unique pour forcer la création d'un passage pour piéton ici. Voilà. Voilà qui est bien mieux. Et ici on a le choix. Ok. Ça c'est bien. On va mettre quelques bâtiments de service. Par exemple, on va avoir quand même des pompiers à proximité de cet aéroport. Je peux les mettre ici. Non. Je peux les mettre ici à l'extérieur. On va peut-être pas avoir trop de densité. Donc je vais mettre mes pompiers ici. On va mettre un service de police aussi dans le coin. On va mettre un service de police ici, au coin littéralement. Je ne pense pas qu'on aurait besoin de mettre des soins de santé à proximité. Et en fait, si, on n'a pas de soins de santé à nous aussi près. On n'a pas de soins de santé à nous aussi près. Et au Square Kent, ni rien du tout. Mettre des soins de santé dans le coin, là où on peut les placer, dans une petite clinique qui devrait couvrir pas mal, cet endroit-ci. Ok, ça c'est pas mal. On pourrait relier ces deux routes. Le terrain peut-être. Ouais, ça sera un petit peu difficile de suivre complètement le terrain, mais on va faire ce qu'on peut. Disons partant par là et par là. Continuer par là. Et d'ici, on va prendre le guide pour s'aligner là-dessus. Voilà, on va rejoindre la route ici. Pas mal, ça contourne un petit peu l'approche de l'aéroport en plus. Et alors là-dedans, nous allons mettre quelques bureaux, je pense. Là-dedans, on va mettre des espaces de bureaux. On va peut-être même faire un mélange bureau et commerce léger. Hop. Là, j'ai une opportunité à... j'ai une opportunité piétonne. Tiens-moi ça. Hop. Même chose en face. Partez vaguement de là. Ok.
Ici, on va mettre du commerce léger. Ici, on va mettre du commerce aussi. Je vais faire un sentier qui coupe en deux ici. Sans se forcer à la grille, merci. Là, ce qui me permet de rajouter des petits commerces ici. Est-ce que ça fera la jonction électrique? Ça finira par le faire. Ajoutons des bâtiments jusqu'à avoir la jonction électrique. En essayant de ne pas être complètement symétrique dans la disposition des bâtiments. Un peu, c'est bien. Mais ça fait vite trop. Ça se construit, ça fait sa jonction. On est bien couvert au niveau d'eau. Ça, c'est bien. On commence déjà à avoir un petit peu de trafic ici. Hein. Quelques voyageurs qui sortent à pied. On en a qui partent en voiture. On en a qui vont attendre des taxis. J'ai l'impression qu'encore une fois, le gros de la troupe. Ouais. Le gros de la troupe a choisi de voyager en métro. C'est très efficace. C'est très très efficace. Bon, ça c'est les trams. On a peut-être beaucoup de véhicules sur cette ligne aéroport. On peut peut-être réduire leur nombre. Parce que la plupart... Ah non, j'en ai quand même un qui est plein. Un qui vient de partir de l'aéroport international et qui est plein à craquer, 180 passagers. Ça c'est un bon succès. Bien, du côté de l'aéroport, je vais peut-être rajouter aussi quelques hôtels. Alors, je n'ai pas envie que les commerces ici ne soient pas du commerce normal. Ou quoique, parce que tous les commerces que j'ai posés sont de petite taille, donc on peut déjà mettre une spécialisation hôtelière. Mettre une spécialisation hôtelière là-dessus. Ces commerces vont disparaître et vont être remplacés par du commerce hôtelier. Ok, ils s'en vont. Petit à petit, les uns après les autres, ils s'en vont. Et ils vont revenir. Il y a une boutique de souvenirs en construction.
deux boutiques de souvenirs en construction. Je sais pas si 2 sur 2 c'est suffisant pour faire des hôtels. Là on est aussi un petit peu dans l'expérimentation en temps réel. Ça, ce sont les bureaux. Ah, là on a un hôtel. Qui est un bâtiment 2 sur 2, donc c'est bon. Ceci aussi c'est un hôtel. Donc on va quand même avoir quelques hôtels à proximité de l'aéroport, proximité immédiate. Et je pense qu'on peut essayer de faire une petite zone hôtelière par ici. Là, je risque de m'approcher dangereusement de ma zone polluée. Donc, je crois que je vais plutôt faire un genre de rond-point par ici. Un genre de grand rond-point. Faire passer l'électricité un tout petit peu plus loin pour pouvoir construire ici. Hop. Hop. Détruire cette ligne. C'est bien. Regardons où se trouve, jusqu'où va la pollution. Presque jusque là. Peut-être qu'en déplaçant un petit peu ceci, ça va s'améliorer. On va le déplacer jusque là. Comme ça la zone de pollution sera complètement à l'écart. On va refaire la ligne haute tension. Ici, si ça s'en va. C'est bien. Ça va être un petit peu hôtelier. Je pense qu'on va faire en fait deux bulles de ce genre. On va en faire partir une autre par là. Ça à peu près. Héroïque palan, je veux pas ça non plus. Je veux aller jusque là. Légère courbe. Et puis. Ici on va faire le même genre de bulle. Ok. Ça on n'est pas trop dans la symétrie non plus. Peut-être que j'aurais dû creuser le terrain avant. Prendre ici ce niveau là et on va creuser le terrain ici. Mettre la ligne électrique encore plus loin, notamment aux limites de la ville. Hop. Espace déjà occupé par quoi ? Ah oui. J'ai une tour de guet ici. Venir là. Hop. Là. Ça peut dégager. Je peux continuer de creuser mon terrain. Voilà, je prends ce niveau-ci. Et on y va.
sais pas pourquoi il s'acharne à garder ça intact. Ah, parce que j'ai mon tunnel qui passe ici. Ok. Ok, qu'importe. Qu'importe, on va le faire dans l'autre sens. On va plutôt prendre genre ce niveau-là et étaler par là. Comme le tunnel a déjà été fait. Et puis on va avancer jusqu'ici, on va faire une espèce de plateau ici. Et on lissera ça par la suite. Et donc ici, on va avoir, comme je disais, une route qui part de cette route-ci, qui va faire... On peut voir mon relief ici, qui va venir jusque-là. Et qui, ici, va nous faire un mini rond-point. En vert sur vert, c'est pas hyper flagrant. Hop, hop, voilà. Ok, ce qui fait que là, on va essayer d'étaler un petit peu. Donc de ce côté-ci, je vais pas pouvoir construire. Comme j'ai mon métro. Hop, hop. Ici on va creuser un petit peu. Ici on va étaler un petit peu. Bien. Bien, bien, bien. Lisser ceci parce que ça, ça me dérange. Voilà, ouais, ça c'est nettement mieux. Je vais agrandir le quartier pour que ceci aussi ce soit de la spécialisation hôtelière. Tout ça. Et aussi l'aéroport. Et puis on va placer quelques parcelles. Quelques parcelles hôtelières par ici. Ici, est-ce que c'est plat? Presque. Je peux faire quelque chose de plus petit. Là aussi. Ici, je suis beaucoup plus relax. Faire du grand. Installez-vous. Et ces ronds-points vont être des vrais ronds-points. Désolé. Réinstallez-vous. On va avoir un chemin piéton par ici.
On va en avoir un par ici. Et je pense que ça, c'est pas mal. Ouais, je pense que tout ça, c'est pas mal. Peut-être qu'ici, je vais mettre aussi un petit peu d'hôtelier. Pour compléter l'espace. Et avec tout ça, il ne nous manque que un peu de décoration, un peu d'aménagement de... Tout ceci en espace vert et un peu décoré autour, accueillir un petit peu mieux les nouvelles constructions une fois qu'elles seront faites, mais globalement on est bon. Et au niveau de l'horloge, ça fait tout pile une heure que ça tourne, ça c'est parfait, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Aujourd'hui je voulais construire l'aéroport de Saint-Bernard International. Pardon, je voulais construire l'aéroport de Saint-Bernard International et ses aménagements. Et c'est exactement ce qui a été fait. Objectif rempli. Voilà, Saint-Bernard International. Qui a déjà son petit trafic. Ça c'est bien. Je vous dis... grand merci pour ceux qui ont suivi le direct. Ceux qui le souhaitent peuvent regarder les épisodes précédents qui sont tous archivés sur YouTube. Il y a un lien vers la chaîne YouTube dans la description de la page Twitch. Il y a un lien vers la playlist des précédents épisodes dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Moi je vous dis à lundi 17h30 pour de nouveau un épisode de la série Saint-Bernard, ça sera le 55, on reprendra le travail sur le métro, on fera une première ligne de métro qui ne sera pas dédiée aux aéroports. Voilà, donc ça durera aussi une heure, ça sera aussi une heure de City Skylines sans mode, sans le moindre mode, avec tous les DLC mais sans le moindre mode, full vanilla. Un tout grand merci et à ciao, bonsoir.